aux aguets et ils ont confié ça aux jeunes. Donc devant vous, vous avez donc une pouliche née le 2 mars par Noris Catol sur une mer par Dark Moon Dancer. Et Réunion à Brion, c'est 3 victoires en plat, une victoire en obstacle. Elle est quand même 4e à Auteuil dans le Maritimo et c'est son 3e poulain. Donc c'est la souche d'Ultranet, c'est la souche, j'en parle, et des meilleurs de Solène, l'influente Solène O'Hara, c'est la souche de tous les brillons que vous pouvez connaître. Ultraval, pour être très récent, et No Risk At All. Pardon. Donc No Risk At All, c'est premier poulain en 2 ans. Donc quelque part, vous n'en voyez que très peu sur les pistes. Malgré des performances en place, ce cheval est quand même prisé beaucoup par les éleveurs d'obstacles. Et son fait d'armes avait été bien sûr le Grand Prix de Vichy et la Coupe de Longchamp en groupe 3. Il avait été 3e d'un groupe 1, le prix disparant. Vous aurez 2 lots aujourd'hui. Donc je répète, une femelle par No Risk At All et Réunion à Brion sur une souche très très solide en obstacle. Né le 2 mars. Alors je rappelle, c'est le même jury que vous avez eu au tout début. Donc ce sont des gens très matifs.